Et salut à tous les gars, c'est moi Fouillot. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo voilà sur Fortnite. Je sais qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, qu'est-ce que tu fais Wafou? T'es en vacances? T'es où ?» Bah je suis là les gars, c'est jusque là, j'ai pas forcément tourné de vidéo. Donc voilà, donc les gars, aujourd'hui, dans la petite boutique, on a une nouvelle danse qui est vraiment stylée de ouf. Donc on va le regarder, mais je me pose une question, voilà. Est-ce que ils nous mettent pas cette petite danse-là pour nous faire bander un petit peu, nous dire il va se passer quelque chose les gars, je mets une petite danse dans la boutique pour vous faire, voilà, pour vous dire un petit message. Est-ce qu'il y a un petit message derrière ça? Parce que la danse, ça s'appelle prépare-toi. Donc est-ce qu'il va y avoir un événement ou un truc vraiment cheaté de ouf? On ne sait pas, mais voilà, c'est peut-être, voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez les gars. Mais la danse, elle me fait penser un peu ça. Je sais pas, la danse, elle signifie quoi? Mais elle est pourrite en soi-même, mais ça nous, ça nous fait réfléchir et voilà. Donc j'espère qu'on se trompe pas et que c'est plus juste une danse que une musique comme ça qui s'en bat les couilles qui est dans le fond du tiroir. Voilà, on sait pas, peut-être que, eh ben on verra par la suite les gars. Donc là, ensuite, on a le petit skin Pro de la Jungle qui fait son retour, qui est plutôt pas mal non plus. Voilà, pour 800 V-Bucks. Donc ceux qui ont 800 V-Bucks les gars, prenez-le, voilà, je vous le conseille. C'est vrai que les joueurs que tu avais sur tout ça, ils ont tout le temps des skins comme ça. Pas trop gros, pas trop chargé. Et en général, ça fait des kills, ça nique des mers. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on a le petit planeur. Voilà, le petit planeur qui est plutôt pas mal non plus. Pour 800 V-Bucks. Moi perso, j'ai jamais acheté de planeur. Un de ces quatre, je vais en acheter un et que je mettrai tout le temps. Mais c'est pas celui-là que je achèterai. Ensuite, on a la petite pioche. Bah, la petite pioche, c'est un Andromo. Elle est assez grosse. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop ces genres de pioches. Perso les gars, je suis comme vous. Parce que c'est vrai qu'une grosse pioche comme ça, même le son il est horrible. On a la petite danse qui fait son retour aussi, pétonnante, qui est plutôt pas mal. Franchement j'aime bien, j'aime bien. Ensuite on a le skin Mécano qui fait son retour aussi les gars. La petite meuf sympathique avec sa petite casquette, petite blouse bleue les gars. Je vous dis, ça va faire des ravages. On a aussi les gars, le petit diabolique les gars, le petit Zébu, voilà, qui fait son retour aussi avec ses petites ailes les gars en sac à dos. Bon perso c'est un gros skin, moi je l'achèterai pas, mais je vois que 2-3 personnes des fois jouent avec. Donc les gars, ceux qui l'ont acheté, bah j'avoue, voilà, il est plutôt pas mal non plus. Ensuite on a la petite pioche à l'œil, c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal celle-là aussi. Mais le son il est dégueulasse, moi je préfère les pioches que j'ai achetées avec l'œil pareil au milieu. Je vous montrerai pour ceux qui savent pas lesquels que je parle les gars. Donc voilà, ensuite on a le petit ange. Bah en fait on a le diable et les anges. Donc voilà, après en général c'est hey baby baby. Donc les gars, on a le petit ange qui fait son retour aussi les gars, avec les petites ailes qui sont hyper stylées mais un peu grosses les gars. C'est vrai qu'on joue avec ça, voilà quoi, on te voit à 50 mètres, je te le dis hein. Ensuite les gars, on a une petite petit truc d'arme qui est plutôt pas mal non plus, voilà, blanc. Bon c'est basique, 500 V-Bucks, je sais pas pourquoi ils ont mis ça à 500 V-Bucks. J'aurais pu juste ça à 300 V-Bucks quoi. Limite même gratuit quoi. Mais bon, voilà, après ceux qui choisissent. Et on a aussi les gars la petite pêche à 800 V-Bucks qui est plutôt pas mal non plus. Donc, moi je prends la mienne. Ouais, je parle vite. Franchement ça va, ça va, ça va. Franchement dans l'ensemble ça va, la boutique elle est pas trop dégueulasse. Elle est pas ouf non plus, mais voilà, sur 10, on va taper 6. C'est très bien pour cette petite boutique, les gars. Et ensuite, je vais vous montrer, voilà, c'est cette pioche-là que j'adore. Moi, je trouve que cette pioche-là, c'est la meilleure du jeu. En plus, elle est hyper stylée avec l'œil comme ça. Il y a pas mal de joueurs pro qui jouent avec. Donc, allez voir, les gars, vous verrez dans le Fortnite Club ou tout le bordel. Il y a pas mal de gens qui jouent avec cette pioche-là, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai qu'elle est fine, elle est pas trop grosse. Elle est stylée, passe bien. Donc, voilà, moi, je kiffe. Donc là, les gars, j'essaye de faire aussi. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos, bien sûr il n'y a pas encore une vidéo qui est sortie, mais ils vont pas tarder à sortir. Je voudrais faire un défi les gars, c'est de faire un top 1 avec pas tous les skins de mon casier, pourquoi pas faire ça un T4, mais avec chaque joueur de foot les gars. Je sais qu'il y a que vous dire, ouais ouais t'es un grand malade, vas-y perds ton temps à faire ça. Mais je voudrais faire c'est des top 1 avec chaque joueur de foot parce que là c'est un peu l'équipe de France qui joue ça pour la qualification de l'Euro. Il y a aussi les filles qui font leur coupe du monde. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un défi. Là j'ai déjà une petite vidéo dans le casier les gars avec l'Argentine. Donc voilà, je vais essayer de la sortir prochainement. Mais je vais en sortir 2-3 par jour. Peut-être une par jour ou deux, ça dépend des vues qu'il y aura sur la vidéo. Voilà, donc c'est vrai qu'après ça va prendre aussi beaucoup de temps, ça va prendre 3-4 heures à faire,
la vidéo. Mais voilà, je pense que les gens, ils vont kiffer. J'espère pas avoir 50 vues sur chaque vidéo. Ça me ferait extrêmement chier. Mais bon, voilà, après moi, j'ai fait YouTube. Je suis content de sortir mes vidéos. Moi, perso, il y a des vidéos que je regarde, des vidéos que je regarde pas. Il y a des vidéos que celle-là va me plaire. Parce que j'ai vu le montage. En même temps, c'est moi qui l'a fait. Donc voilà, elle me plaît très bien. Maintenant, c'est vrai que les YouTubeurs, maintenant, les grands YouTubeurs, ils se tapent même plus à faire le montage. Le seul truc qu'ils ont, c'est le pognon dans les poches. Ils attendent que ça. Voilà, c'est vrai que maintenant, voilà. C'est vrai que maintenant, faire un petit contenu toi-même, moi je préfère ça que faire. C'est quelqu'un d'autre qui me fait mon boulot, quoi, bordel de merde. Voilà, après ça, c'est une petite parenthèse. Donc là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, les gars, on me dit à l'oreille que j'y a 32 skins différents. Donc c'est vrai qu'il y a 32 pays. Et je suis pas dans la merde, là. Donc là, j'ai déjà fait avec l'Argentine. On va essayer de tenter avec les États-Unis. Bref, ça va être stylé. Et après, bah, on attaquera direct sur ce pays-là que je connais pas. Je crois que c'est la Belgique. Dites-moi en commentaire. Ça, c'est l'Allemagne. Ah, l'Allemagne, j'adore. Donc voilà, je sais très bien. Voilà quoi. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like. Et à la prochaine pour une vidéo, les gars. C'était moi fou. Portez-vous bien. Bientôt les 4000 abonnés. Ciao, ciao.